bénissez-moi parce que j'ai réussi. Ma fille. Parlez. J'ai uriné dans le thé destiné aux invités. Personne ne s'est rendu compte de rien. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un thé détox. Mais Dieu, lui, a tout vu. Je souhaitais me faire pardonner cet acte odieux. Ma fille, Dieu vous a vu, mais vous pardonne. Je sais pas, moi, faites 5 ans de notre père. Allez-y. Voilà, j'ai vu un cheval avec une blessure qui datait de quelques jours. Vous l'auriez vu, c'était moche. Je l'ai peint. Sur la blessure directement, ça a dû s'infecter. Il est peut-être mort aujourd'hui à cause de moi. On avait un repas de famille. Et je vais faire un manger, un ragoût. Et mon petit cousin m'a prêté son hamster nain pour faire la fête. Et pendant que je vous ai mangé, j'ai perdu l'hamster. Mon fils, c'est pas votre faute. On l'a retrouvé dans le ragoût. Oh. Mon père, la dernière fois que je suis venue me confesser, nous a expliqué mes problèmes de couple avec Jean-Edouard et vous m'avez répondu quelque chose de très beau. Vous m'avez dit, la vie est un jeu. Amusez-vous. Oh. Moi, j'ai trouvé que du coup, vous et Jean-Edouard, il y avait quand même beaucoup de choses identiques. Oui. Quand il est là, qu'il se met à genoux et qu'il m'embrasse les pieds, qu'il m'adore, que je contrôle sa chasteté, je... Vous êtes là, mon père? Écoutez, je vous absous de tous vos péchés. Allez en paix. Merci, mon père. Merci. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. J'ai souillé mon corps. Ce corps fait à l'image de Dieu. Je voulais pas, on m'a forcé à faire des choses, des trucs horribles, obscènes. Je me sens sale. Allez-y, parlez sans crainte. Qui vous a forcé à faire quelque chose? Tout va bien, mon père. On m'a dit que si je souffrais, c'était normal. C'était à cause du péché originel. Je vois déjà les gros titres avec la photo. Doléance contre service sexuel SM. Le père Hippolyte dans la tourmente. Mais maintenant, soit t'as mis 15 000 balles, soit le petit agneau, il te détruit en place publique. Je peux rien pour toi! Putain, casse-toi, fous-moi la paix, connard! Choisis ton option, moi je m'en branle. T'es tellement dans la merde que dans tous les cas, je vais prendre un pied monumental. Ok. Attends. Nous sommes réunis ici pour rendre un dernier hommage à votre ami Arthur Dupont. Arthur restera à jamais gravé dans vos mémoires parce que c'était un être extraordinaire. Je vous invite à prier pour lui une dernière fois.